ainsi que la préminence, les pouvoirs et l'autorité que tu m'as confié au nom puissant de Jésus Christ. Na peinani misala mabenyoso ya mokili na molili pe mipango ya satana. Milimo nyoso etatoli bozambe note. Etatoli bolamu ya libota oyo te. Na kopona Yesu Kristo na peinani ya mokili na leza amitu. Seigneur, tika ete rene na leza na oka komple di debi jiska la fin. Seigneur, nima ete kono na baba oyu wana trokoma na suka na kopika la kapika kwa na yo. Tokoma pe potato na kombo na yo. Osa na pongo pona lukumu na yo na kombo ekoka kombo ezali kolona ka kombo nyonso tukonde liyo boye na kombo na misiko kombo na mwia na Yesu Kristo. Amen.
basikola. Et Seigneur, il est présent que nous sommes rachetés. Seulement quand tu es en train de chanter, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais toi, tu ne le vois pas. Dieu siège au milieu de la louange à Israël. Il aime qu'il soit toujours élevé. Lorsque nous les confessons, nous les louons, il faut vraiment le louer. Parce qu'il en est digne. Vous mettez les yeux sur ma mort. Le verset 24 et 25. Jérémie, nous nous levons. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Même dans 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Il se révolte. Et s'en va. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de la vieille saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Et verset 25e, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Que Dieu bénisse les lectures pour faire. Nous croyons que le Seigneur a zélé sur la piste par sa grâce. Nous croyons que le Seigneur nous assiste par sa grâce. Régicota et sa surtout. Nous montrons surtout, bien-aimés. Il faut comprendre très bien l'Église. Il faut que nous comprenions qu'est-ce que c'est l'Église. Au fur et à mesure que nous avançons. Au fur et à mesure que nous avançons. Nous voyons un point mon corps en souche. Nous prenons un point après l'autre. C'est qui d'abord que l'Église. Nous sommes adorateurs de Christ. On avait d'abord montré que l'Église, nous sommes les adorateurs de Christ. Et toi, avant ça, qui nous a un peuple acquis par les sangs précieux. Et tout à l'heure, qui était tous à l'époque, tu avais sauvé la maquilla et à Jésus. Et le Seigneur a sali mission comme royaume des sacrificateurs. Et le Seigneur nous a fait un royaume des sacrificateurs. Tout à l'heure, qui aussi que. Livre d'Apocalypse, le Seigneur a pensé qu'en prenant cette église d'Asie. Et on avait montré que le livre d'Apocalypse, le Seigneur l'avait donné pour les sept églises d'Asie. Maintenant, on insistait qu'il aurait des armées à classer sa parole. Et on avait insisté, comment est-ce que le Seigneur a classé sa parole? Il y a aujourd'hui deux passages dans le livre d'Ecclésiaste. Si nous prenons deux passages dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 1er, verset 9 à 10. Ecclésiaste 1er, verset 9 à 10. Non, bah, tout à l'heure, c'est que ce qui a été, c'est ce qui sera. Oyo, et Zalatan de Koyaka. Même témoignage en bon sous-son.
Mais un autre témoignage de cela. Dans Ecclésiaste 3, verset 14 à 15. Se trouve dans Ecclésiaste 3, le verset 14 à 15. Pour que nous écoutions à Jésus-Christ, nous avons enseigné. C'est pourquoi nous étions allés voir comment est-ce que Jésus-Christ avait enseigné. Effectivement, le Seigneur avait dit. Effectivement, le Seigneur avait dit. Ce qui a été du temps de Noé. Oui, ça a été dans le temps de Noé. Et vous aurez aussi au temps du Fils de l'homme. Arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Et le Père Jésus. Et respecter Ecclésiaste 1, verset 9, 10. Le langage de Jésus a respecté Ecclésiaste 1, 9, 10. Ecclésiaste 9, 3, 14 à 15. Et Ecclésiaste 3, 14 à 15. Donc, où ils étaient dans l'air et à Noé, ce qui a été. Donc, ce qui a été du temps de Noé. Oui, vous allez dans l'air et à Noé, vous allez dans l'air aussi au Fils de l'homme. C'est ce qui sera. Et ce qui arrivera du temps du Fils de l'homme. Nous l'aimons pas tant que ce qui m'a cambouillé, les gars qui n'ont l'air et à Sodom. Et la même manière qu'il a montré ce qui s'est passé du temps de Sodome, nous allons aussi dans le Fils de l'homme. Et arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Donc, et dès que ce soit ajouté écriture, on était allé encore ajouter une autre écriture. Dans Hébreux chapitre 1er. Dans Hébreux chapitre 1er. Le verset 1er. Le verset 1er. Et ici, ils sont autrefois. Là-bas, on dit Natawakala. Et de plusieurs manières. Et de plusieurs reprises. Et le Bédouana met tout Simbaki. C'est l'angage là qu'on a dit. Plusieurs manières, plusieurs reprises. Et total, c'est qu'il y a na balolenge ebele pas ou bandela. Et on montrait que Dieu parlait de plusieurs manières et en réprimant les choses. Il y a un autre témoignage de l'écriture. C'est pourquoi on avait pris les témoignages dans les saintes écritures. Lui-même n'a songé aux hommes et après ce qui est Pharaon. On avait même pris les songes que Dieu avait donné à Pharaon. Attali ce qui est d'abord Mambombe. Il lui avait d'abord montré une vache. Attali ce qui est Mambouke et Andrézété. Et puis il lui a montré les plantes ou les épis. On avait avancé par la grâce de Dieu. On avait montré que si tu te rends chez les sages de ce monde, ils te diront que c'est deux choses différentes. Mais on a vu chez Joseph la faculté de l'Esprit de Dieu. Oui, ça lit ma coquille à mon livre au centre. Par le bâti que c'est une seule chose. Joseph, tu as dit ça qui est des alliés au moment que Dieu a répété la chose. Zambé a bandeli et loco. Non, tu comprends que Zambé a posé un ngombe dans le verset moko. On avait compris que Dieu pourrait être dans une vache, dans un verset. Alors, après ça, répétant en haut, et pas un prophète Moussous. Et il veut répéter la vache chez un autre prophète. Avant, répétant en enfant. C'est normal pour Dieu. Et le Seigneur peut le répéter en forme de plante et c'est normal pour nous. C'est pourquoi on avait montré que le langage de Dieu, il faut que tu prennes garde à cela. Aussi, on avait aussi marché dans notre exposé. On avait montré par la grâce de Dieu. Et dans Jean 3, verset 12, et dans Jean 3, le verset 12, le Seigneur a dit que Aloba qui n'a libouté Israël n'a makambo étali assez. Le Seigneur avait dit qu'il avait parlé au peuple d'Israël de choses terrestres. Et combien de temps à Aloba n'a makambo étali Kolo est-ce que Israël a compris? Et il s'est posé la question si Israël peut comprendre lorsqu'il parlerait de choses célestes. Donc, comprenant qui? On avait compris. Que Jésus a loupé à Makambo et ça terrestre. Et Jésus avait parlé de choses terrestres aussi. Et ça, la Sinaï. Donc c'était sur la montagne. Toute la loi, toute la loi telle qu'elle était donnée, c'est Christ qui l'a pris ça. C'était Christ qui l'avait donné. Maintenant, dans cette alliance, il a apporté des choses spirituelles. Là, on a besoin de témoignages. À cet endroit-là, on avait pris quelques témoignages. Oui, ça a dit comment. Ombre qui était comme des ombres. Taïsaki et Moïse. On avait montré que Moïse a fait à Israël deux alliances. Il avait traité deux alliances avec Israël. Et Taïsaki manque en Sinaï. Une alliance sur la montagne de Sinaï. Là, on pose un texte et Exode 24. Là, tu pourrais prendre les textes d'Exode 24. Et pour ajouter aussi Deutéronome chapitre 29. On avait ajouté aussi Deutéronome chapitre 29. Le verset premier. Le verset premier. On
Moab. À la plaine de Moab. Moïse avait aussi une autre alliance avec le peuple. Moïse avait traité une autre alliance avec Israël. On avait rajouté pour montrer que Moïse avait donné la loi. Mais a expliqué à peu loin. Mais il avait aussi expliqué cette loi. Là, besoin qui ou expliquer loi. Là, on avait pris l'explication de la loi. Deutéronome chapitre 1. Dans Deutéronome chapitre 1er. Verset 3e qui est dans 5e. À partir du verset 3 jusqu'à 5. Moïse commença à expliquer toute la loi. Pourquoi la chose est ainsi? Et Moïse a fait ce qui Israël deux alliances. Et Moïse avait donné deux alliances à Israël. Parce que Moïse avait dit l'Éternel, notre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Yahweh t'appelle à Bissoua pour tout pour les habitants de Sapolimon comme la taille. Et ce prophète-là, Pétron Sapolimon, qui est dans la parole de Dieu, c'est lui qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu, et ça là, c'est la parole de Dieu qui a créé les choses dans les ciels et sur la terre. Donc des choses terrestres. La parole de Dieu. Céleste, même parole et ça. Et c'est la même parole qui a créé les choses dans les ciels. Il y a besoin qui est un témoignage. C'est pourquoi on avait pris un témoignage. Dans la vie d'Abraham. On a vu Abraham donner l'enfant à Agar. Il a engendré Ismaël. Et il a donné aussi un fils à Sarah. Isaac. Et on a vu le texte de Galates 4. À partir du verset 24. Ce que ces deux femmes allégorie. On nous montre que ces deux femmes représentent des alliances. Et ces deux femmes représentent deux alliances. Alors on était rentré chez Abraham. Et on voit qu'Abraham, c'est lui qui a donné un fils. Même Abraham a précis sémence, c'est pas à ça. Et c'est le même Adam qui a donné la sémence à ça. Et ils ont confirmé que. Et c'est ce qui confirme. Le Dieu qui était descendu sur Sinaï. Pour appeler la loi. Pour donner la loi. C'est le même Dieu qui a donné sa grâce. C'est le même Dieu qui est venu nous donner la grâce. Et c'est ce qu'on a vu en termes de matériel didactique. Maintenant, on souhaite du Kamboyo et Zalia la dispensation. Maintenant, on touche à ce qui concerne les dispensations. Que le Seigneur avait préparé en fait que Israël vive. Pourquoi je prends toutes ces choses? Pour comprendre. Pour que tu puisses bien saisir qu'est-ce que c'est l'église. Parce que ça va te bêler dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans leur église. Dans la doctrine, dans d'autres doctrines. À TAP, à cette église d'Asie. Ont aussi prêché sur les sept églises d'Asie. Mais pas toi, pas copier. Mais ils ont plagié ou copié les historiens. Comme les disent les historiens. À un certain moment sur la terre, la vérité avait disparu. Et lui aussi l'a utilisé que c'est l'enseignement. Et il a prêché cela comme l'âge des ténèbres. Et tout cela nous comprenons. Les difficultés. C'est la difficulté de connaître la loi de Moïse qui leur a poussé à cela. Donc ce qu'ils ont expliqué la loi de Moïse, ben, si le Seigneur ne t'a pas expliqué la loi de Moïse, au côté, ben, tu vas mal prêcher les Écritures. Par révélation, mon pauvre, tu auras des révélations qui manquent des maisons. Ah, voilà. Parce que l'Écriture était une maison aussi. Parce que l'Écriture est une maison. Donc une révélation des raisonnements. L'Écriture est aussi parole. Que l'Écriture ne saisit pas. L'Écriture est parce qu'on va enseigner. L'Écriture dit si tu veux enseigner. Il faut utiliser l'Écriture. Au Seigneur, nous savons aller les commis. Dès que tu montes droit avec ses élevés. Si quelqu'un veut enseigner, il doit utiliser les Saintes Écritures. C'est pourquoi tu vois ici. Texte aujourd'hui est dans Jérémie 5. Les textes que nous avons pris est dans Jérémie 5. Le verset 24
Le verset 24 et 25. Le Seigneur l'avait chassé hors du jardin d'Éden. Parce qu'il respectait la loi de Dieu. Parce qu'il n'avait pas respecté la loi de Dieu. De la même manière, Israël, s'il n'obéit pas, le Seigneur envoie les prophètes pour les ramener sur le pays. Et qu'il continue toujours à faire. Le Seigneur va les chasser du pays où il se trouve. Pour qu'il aille en dehors de ce pays. Dieu fait que répéter à temps. Israël. Et tu vas savoir aussi qu'Israël. En lui, Israël. Dans d'autres de ses mouvements. Ils sont pétrosa. Nous aussi, nous nous identifions. Pour nous comprendre. Pour comprendre aussi ce qui se passe avec nous, on peut lire aussi la vie d'Israël. Nous prenons par exemple Israël. Il y a un commandement qu'Israël avait obéi. Depuis qu'il était sorti, depuis qu'il était rassemblé dans Ramsès, jusqu'à ce qu'il était entré dans le pays. Et ça, le commandement que le Seigneur a salé qu'Israël a obéissant à la terre. Il y avait un commandement auquel Dieu avait fait qu'Israël soit obéissant. Israël pour montrer qu'Israël. Et les mots à l'église. Les signes de l'église de Dieu. Aujourd'hui, tu nombres chapitre 9. Vous prenez par exemple Nombre chapitre 9. Natangi, le verset 18 à 19. J'ai lu au verset 18 et 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il faut comprendre le mouvement israélien. Parce que tu as bien saisi le mouvement d'Israël. Le mouvement d'Israël, il y avait une obéissance. Le mouvement d'Israël, il y avait l'obéissance. Et il y avait aussi la désobéissance. Il y avait aussi la désobéissance. Obéissance, c'est avec qui déjà pour préfigurer l'église à la foi. Et l'obéissance se préfigurait l'église du Seigneur. Comment est-ce qu'elle recevra la foi? Natangi nombre 9. J'ai mis nombre au chapitre 9. À partir du verset 18. Tiens. À partir du verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et il campait sur l'ordre de l'Éternel. Il campait aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Verset 19 maintenant. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel. Et les partaient point. Donc, on confirme. Israël était très obéissant dans les campements. Israël était très obéissant en ce qui concernait les campements. Exactement, on allait à campement Zamba, le Bibati, à la Boé, Israël, à pendant le campement, il n'existe pas un verset qui serait là désobéi à l'Éternel. Israël était très obéissant à l'Éternel. Israël était très obéissant à ce qui concerne. Jusqu'à la fin de la marche, Timon a souffert à Nazaraki, obéissant. À Zaraki, au Tossi. Même dans notre chose, il était rebelle. Et ce qui n'y est, Fandiwana, démon. Mais si la nuit s'arrête, un mois, deux mois, il obéissait à l'Éternel. Israël obéissait à l'Éternel. Donc, voilà sa figure de l'Église. Et là, Israël est le signe ou la figure donc, de l'Église. Donc, déjà, on entend beaucoup, Israël, les hommes de la paix, attirent. Il y a des choses que tu prendras dans Israël qui parlent aussi de nous, les c'est très important. Et ça dit, tout y a pour l'État, dans le monde. Le Seigneur a péci Israël la dispensation. Le Seigneur a donné la dispensation à Israël. Donc, ma cambo oye, qui toko oye, le nege kolandana oye, kopi kela. Les bonnes choses que Israël devait vivre, ce qui a aussi, si il obéit. Dans une Deutéronome 11. Je prends Deutéronome chapitre 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Attends, pour moi, Jésus-Christ. Le Seigneur a eu ce qui est. Le Seigneur lui avait dit.
À partir du verset 13. À partir du verset 13. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, nous avons le verset 14 à Deutéronome 11. Le verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie. En son temps, la pluie de la pluie et la pluie de la rivière. Et tu requériras ton blé, ton mou et ton huile. Et tu requériras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Maintenant, verset 16. Ne de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et ignorait point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits. Et vous périrez promptement dans les bons pays que l'Éternel vous donne. Là, le Seigneur a dit ça Là, le Seigneur avait montré comment est-ce que toutes ces choses arriveront dans la suite. La ligne où le Seigneur va suivre. La ligne qu'il devait suivre. S'ils obéissent, le Seigneur leur donnera des pluies. Et après, dans la saison, le Seigneur leur donnera la moisson. Il permettra qu'ils puissent recueillir beaucoup de produits. Mais ceux qui vont rejeter la parole, mais s'ils viennent à rejeter la parole, le Seigneur a compris. Le Seigneur fermera les cieux. À vous priver par vos semaines et à moisson. Le Seigneur leur privera les semaines de moisson. Et à vous toujours remarquer, c'est pourquoi nous remarquons que le prophète n'y travailla en Moïse. Et tous les prophètes ont travaillé en Moïse. Même lorsque tu vois Élie, alors il n'y aura ni pluie ni rosée. Et vous arrêtez dans vous là tout ma mouille. Sinon à ma parole, ce qui t'attend à l'Éternel. En réalité, c'est la parole de Moïse. C'est Moïse qui avait dit que celui d'Israël a rejeté commandement. Si Israël rejette le commandement de l'Éternel, les ciels se fermeront. Ma collègue au Katamina. Donc on prouve à moi les chrétiens. Nous allons les prouver dans quelle écriture. Dans où Waka Azotinda Abdi Koroka. Et lorsque le roi Akab envoie. Envoie Abdias d'aller chercher Élie. D'aller chercher Élie. Maintenant, Élie écoute Naki. Non. Lorsque Élie avait croisé le roi Akab. Roi Akab a dit c'est toi qui troubles Israël. Les alliés nous ont croisé à Oulou Nainsalem. Vous voyez dans les choses de Dieu. La parole est à l'apparence en mode. La parole ne regarde pas l'apparence des gens. Il ne faut pas faire des choses pour plaire à quelqu'un. Si la chose est mauvaise, il faut la dénoncer. C'est dans cela que tu vas sauver ton frère. Amen. Les prophètes ne craignaient pas les rois. Mais ça pour les masala pour pas la terre en courant et sans qui roi terminer la royauté d'ailleurs ceux qui sont à côté. Si le roi s'élève pour désobéir au commandement, les prophètes vont lui résister. Akab a dit que Yodou nous trouvait Israël. Akab a dit c'est toi qui jettes les troupes en Israël. Et il y a le dit. Et lui a répondu. Et dans 1 Roi 18, verset 18. 1 Roi 18, 18.
verset 19. Alors lui, c'est toi au contraire. Et ça, nous autres, et ta maison. Et vos autres troublés. C'est vous qui jetez le trouble. Parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Maintenant, sur vos écritures, voilà. Maintenant, si tu prends cette écriture, et tu retournes dans 1 roi 17 pour comprendre pourquoi le ciel est fermé. Parce qu'Israël a voir qui commandement de Dieu. Le ciel se ferme si Israël rejette le commandement. Il y a beaucoup à remarquer. C'est pourquoi tu m'as remarqué. Jésus dans Matthieu 23. Jésus dans Matthieu 23. Verset 38, alors il a dit, votre maison sera laissée déserte. Cela veut dire votre ciel sera fermé. Il n'y aura plus de pluie. Pourquoi? Parce que c'était lui le commandement fléché. Il est la parole de Dieu. C'est lui la parole. Mais il est venu chez les saints. Parce qu'il n'y a rien qui n'est pas mal de Dieu. Et les saints ne l'ont point laissé. Mais mal de qu'on aille, le corps va rejeter. Comme ses frères l'ont rejeté. Il faut déclarer que la maison d'Israël va être déserte. Il doit déclarer que la maison d'Israël va rester déserte. Mais il a rajouté. Il n'y a plus de pluie. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Moi, les amis, moi, on t'a mis avec la camoncée. Vous suivez attentivement. Maintenant, dans l'ère à Jérémie. Maintenant, du temps du prophète Jérémie. Israël a rejeté la parole. Israël avait rejeté la parole. Tant que Israël a rejeté la parole. Lorsqu'Israël a rejeté la parole. Macabo est dans la Deutéronome 11. Les choses qui sont dans la Deutéronome 11. Et au Kisami Nakatia. Ville à Jérusalem. C'est Israël. C'est accompli sur la ville de Jérusalem. Et là, on est toujours remarqué. Qu'est-ce que nous remarquons? Dans Jérémie 3, verset 3. Dans Jérémie 3, le verset 3. En temps, voilà. En ces temps-là. L'écriture le dit. L'écriture dit. Aussi les pluies ont-elles été retenues. Pépavoula et Tadama qui est Moïkobeta. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Mais il y a eu le front d'une femme prostituée. Mais il y a eu qui n'a pas voulu avoir honte. Mais ça confirme qu'en attendant à Jérémie, le ciel était vraiment ferme. Du temps de Jérémie qui m'a collé dans la matière. On suit dans Jérémie 14, verset 1er. Jérémie 14, le verset 1er. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est arrêté. Ses filles sont désolées. Triste et abattu. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau. Et les petits vont au citerne. Ne trouvent point d'eau. Et retournent avec leur vase vide. Confiés en terre. Ils se couvrent la tête. On va continuer à lire à là. Tu peux continuer cette lecture. Et Zotar, il sait comment va aller pour vivre maintenant à temps. C'est à votre comment ils vivaient en ces temps-là. Les pluies, ils avaient ce qu'on dit à terre. Les apôtres Israël a commetta qui iniquité. C'était parce qu'Israël avait commis l'iniquité. Il y a un texte total. C'est pourquoi le texte qu'on a vu. Dans Jérémie 5. Dans Jérémie chapitre 5. Attendons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Il se révolte. Et s'en font. Ils ne disent pas dans leur cœur. Craignons l'Éternel. Notre Dieu qui donne la pluie en son temps. La pluie de la première et la pluie de l'arrière saison. Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu.
Que Dieu bénisse. Amen. Or, Israël a commettre iniquité à combler coupe na iniquité. Israël a salué ma paix à ton ici. Comme le Seigneur dira, lui le Messie. Donc, Israël, lorsque Israël a commis Christ, a tué le Christ, a comblé coupe naïe à l'iniquité. A tout disqué naïe, il y a pas ma bête naïe à Salaka. Parce que l'iniquité, oui, que même à mon aide, c'est changé de Dieu. Ils arrivent au Congo là, ils avaient à son nom, ils avaient à l'hôpital. Israël, Israël, Nathan et Samuel. Lorsque les anciens s'étaient rendus vers Samuel, et que Samuel était déjà fatigué dans la chair, et que Samuel était devenu vieux, et ils sont venus lui dire, que tes enfants ne craignent pas l'Éternel. En tout cas, Samuel, dans 1 Samuel 8, a dit, en tout cas, on permettre que on tient la puissance roi de la nation. En tout cas, établis-nous un roi comme il en existe chez nous. Et donc, on est dérangé qui m'a casse. Et cela avait dérangé le prophète Samuel. Mais dans le verset 7, il y a 1 Samuel 8. Le Seigneur a dit que Samuel, le Seigneur, fais ce qu'il te demande. Et il n'est pas au rejet. C'est moi que le peuple rejette. Il ne veut pas que je puisse régner sur eux. Pour comprendre, quand Israël a déclaré un autre roi à la place de l'Éternel, quand Israël déclare un autre roi à la place de l'Éternel, comme ils avaient fait devant Pilate, voilà Pilate a convaincu Jésus-Christ, roi des Juifs. Et Pilate, en écrivant Yeshua au côté de Yuda, et l'avait refusé. Et ici, Pilate, ils ont dit à Pilate, il a dit, à l'obat. Il a t'amusé que j'ai écrit, je l'ai écrit. Oh, il n'a commis et s'il n'a commis. Alors, Bataille, c'est que Balobit, nous avons pour roi César. Ils sont nos amis, comme on est à Israël. Et le moment de tel, c'est que vous avez rejeté Dieu. Et cette parole montrait qu'Israël a rejeté son Dieu. Le Seigneur avait parlé dans 1 Samuel 8. Le Seigneur en avait parlé dans 1 Samuel 8. Et c'est tiens, au verset 7. On va pourrir un autre roi à la place de Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont choisi un autre roi à la place du Christ, va commettre iniquité. Ils ont commis un grand péché. Mais tant qu'on va commettre iniquité, mais lorsqu'ils commettent des grands péchés, le Seigneur a tenu la parole du Coran. Le Seigneur leur ferme aussi les cieux. À ça, la caquette a des semaines et à moisson. Le Seigneur fait qu'il puisse être privé des semaines là. De Dieu. Maintenant, qui est-ce qui reçoit la grâce de la semaine de moisson? Rite. Les amis Louta. Oh. Dieu bénisse. Ça va pas pour la vie. Rite de. C'est Ruth. Nathan. En ces temps. Parce que Ruth. A côté la champ. Était entré dans le champ. N'a l'air au balobi au commencement et à moisson et à orge. Il n'allait pas aller à Kokuka, Bambumanga, non. Il faut faire très attention. Tu dois faire très attention. Dans le livre de Ruth, Bazon de la deux rédemptions. On parle de l'ici comique balé. Parce que Ruth est envoyé. Parce que lorsque Ruth est venue, Pâques est célébrée. La Pâque était déjà célébrée. Mais Pâques est la rédemption. Mais la Pâque, c'est une rédemption. La Pâque, c'est la rédemption. Mais Zaki, c'est la deuxième rédemption que Boaz a représenté. Mais il y avait une deuxième rédemption que Boaz présente. Ne prêche pas comme d'autres doctrines qui sont dans les difficultés. Comme aujourd'hui. L'œuvre de la croix s'est accomplie. La Pâque. Pas ça. Nous a rachetés. Nous sommes au Soma Mitosikola. Mais nous sommes encore rachat nous souffrir. Mais nous attendons encore une autre rédemption. C'est une rédemption encore. Ici, il y a d'autres. Hein? C'est pourquoi tu veux. Rite dans un compte à Bethléem. Rite entre dans Bethléem. Pâque et Salem. La Pâque était déjà célébrée. Et la rapport à Kota Isaïe. C'était déjà. Après la mort à Jésus-Christ. Merci beaucoup, Frère Jésus-Christ. Puisque nous avons dit étrangers. Nous qui étions des étrangers. Nous avons sauvé étrangers. Nous ne serons pas. Donc on est gens de la maison. Il faut pas toi là pour y aller. Parce que pas des nous sommes déjà entrés parce que la Pâque fut célébrée. Il y a mon Paul à Zolo en Romain 11. C'est pourquoi Paul dit dans Romain 11 ils sont aux années qui m'a Olivier sauvage. Ma tité est là et à Samba. Oh, ma Kati, ma branche. On a
couper les branches. Bon amoya ko ante na olivier franc. Bon amoya ko kanisa mone la ya mboka. Et ça le dit quand Christ a sacrifié. Et cela s'est accompli après la mort de Christ. Les dieux ministres. Amen. Yango etandami na vierge. Et c'est ce qui est classé dans la vie de Dieu. Donc, livre à Ruth est à deux rédemptions. Le livre de Ruth a deux rédemptions. Le légué moko piso na yo. De la même manière, toi et moi, Tobikini déjà rédemption, le légué l'âme n'a pas su ça. Racheté. Nous avons déjà vécu la rédemption de manière que notre âme est sauvée. Maintenant, c'est la rédemption à corps. Mais nous attendons la rédemption de notre corps charnel. Ton tangi, livre Ephésiens 4, le verset 31. Nous lisons Ephésiens 4, le verset 30. Ephésiens chapitre 4, verset 31. Ephésiens 4, le verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tangi la Congolais sous Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Donc, aujourd'hui, Saint-Esprit. Donc, tu as reçu le Saint-Esprit pour la rédemption. Pour attendre une rédemption future. Romains 8, verset 23. Le verset 23. Romains 8, le verset 23, l'Écriture déclare. Et ce n'est pas elle seulement. Les amis, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en entendant l'adoption. Vous savez comme il existe, nous sommes les enfants de Dieu par la foi. Si tu prends la définition de la foi, c'est clair. Une chose qu'on espère. Une démonstration de ses contrôles. Tu es enfant de Dieu par la foi. Mais tu deviendras enfant de Dieu. Tu suis attentivement. Amen. Pour les jours de notre rédemption. L'adoption. La rédemption de notre corps. Aujourd'hui, Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Parce que nous connaissons dans le temps pour l'écriture. Parce que j'aime marcher avec les Écritures dans toutes les choses. C'est bien. Le verset 9. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce qui procure la paix. Et c'est qu'on a baillé le basalin à coupé sa kimia. Car ils seront. Pour être ma coupé n'a pas qu'à. Appelé fils de Dieu. Bana yanzame. C'est très important. Amen. Mais ils vivent la paix. Mais ils vivent la paix. Mais après ils seront. Si Manango a coupé Namaka, exa Bible. Donc tu dois comprendre les textes bibliques. Il y a beaucoup de monde à Christ et Jésus. C'est pourquoi tu vas remarquer. À sa fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Mais Romains 1, verset 4. Mais le Romains 1, le verset 4. Et lui déclaré fils de Dieu. Il y a tant de la mémoire dans sa mère. Lors de sa résurrection. Il a tant de la mémoire. Il y a mon Paul à Juin dans Acte 13. C'est pourquoi Paul a pris dans Acte 13. À Zoro, dans le verset 33. Il dit au verset 33. Lorsque Christ fut ressuscité, cela veut dire. Une écriture des hommes qui sont. Et une écriture s'accomplit. 33. Le verset 33. Acte 13. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Vous savez, à quoi qui s'est mis la parole pour la mission à la maman. Dans Acte 13, verset 33. En ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. Tu es mon fils. J'étais engendré. Aujourd'hui. Donc la résurrection, c'est une forme de naissance. Il y a un Apocalypse 1, le baba, Jésus-Christ a dit, premier né d'entre eux. C'est pourquoi l'Apocalypse dit que soit Zali, mon bon ami a Yamoutat. Donc lorsqu'il fut ressuscité, c'est
ça veut dire qu'il fut engendré. Donc, dès que Paul le dit dans acte 13, verset 33, Paul l'a dit dans acte 13, 33, Jean le dit dans Apocalypse 1. Et de la même manière, Jean aussi l'a repris dans Apocalypse 1. Que la mort est à la vie pour retenir tout le monde. Que la mort retenait tout le monde. Mais Moutou et Apollo Tani. Mais celui qui est né le premier, c'est Jésus-Christ. Les amis sous Christ. Donc, d'entre les morts, c'est qui est né. C'est Jésus-Christ. Pourquoi t'as mis à Yahweh Jésus? Naître, voilà, c'est la résurrection. Donc, cette naissance-là, c'est la résurrection. Dieu veut. Amen. Ah. Donc, il faut d'ailleurs voyez, papouille, que. Il faut que tu saches ceci. Saint-Esprit aujourd'hui, d'abord Saint-Esprit pour la vie. Pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit? Et ça, pour aussi pour la maladie. C'est pour que tu sois racheté dans ton corps charnel. Éphésiens 1. C'est d'abord ça. Ils en ont bien beau. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. L'écriture est dit oui. L'écriture dit ceci. Nous lisons l'homme de Jésus-Christ. Amen. En lui, vous aussi. La date là est Christ au milieu de paix. Après avoir entendu la parole de la vérité. La simayaboyoka, l'iloya sort. Moïse, verset 13e et Éphésiens. Le verset 13 d'Éphésiens. L'évangile de votre salut. En lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous aurez un malin? Amen. Le Saint-Esprit, ce qui est pas d'ailleurs, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, et ça n'est pas. Donc c'est comme un saut. Ils ont dit mis ça, et cela atteste que aussi pour la maman Zoto, que tu seras racheté de ton corps chapelle, afin que tu portes le corps glorieux. Et ça rend la Saint-Esprit. Pierre dans 1 Pierre 1, Pierre dans 1 Pierre 1, avait mis en mots les salis qui doivent être manifestés dans les derniers temps. Il a appelé comme l'obico et Seigneur les temps qui s'en vont à la table. Si tu prends ce texte, il y a 1 Pierre 1. Et 1 Pierre 1. On va dire verset 1er à 2e. On commence à partir du verset 1er. Avant présenter déjà à sauver. Il présente déjà le sauver. Pour eux, ils ont participé à l'aspersion à Christ. Ensuite, mais il a dit encore la suite. Et nous la salut. Mais nous attendons encore un salut qui doit se manifester. Vous supposez le salut. Donc tu as déjà le salut. Le sang Matthieu est dit. Mais nous la salut. Mais tu entends encore le salut. Salut, on les a tous pour notre ce salut-là, c'est abandonner ses corps pour porter celui de gloire. Là, pour la tante, et là, pour porter les corps de gloire, il faut avoir un Saint-Esprit. Tu dois au préalable avoir le Saint-Esprit en toi. Maintenant, le Saint-Esprit a un rôle. Maintenant, le Saint-Esprit a pour rôle. Il y a pour manifester les vertus de Christ. Il y a pour tel sa mission, madame, où il y a Christ au Jésus. Bonjour, madame. Amen. Le monde est nouveau, mon Christ est témoin. Le monde ne peut pas voir le Christ visiblement. Mais Nanzela Nangana yo. Mais par moi et toi. Et pour moi, la Christ. Le monde verra Christ par moi. Il y a beaucoup de petits raisons au bas. Mais c'est pourquoi l'Écriture dit. Dans 1 Pierre 2. Dans 1 Pierre chapitre 2. Dans verset 9 bien. Au verset 9. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous terminons à Congolais sous Christ. Vous, au contraire. Vous êtes une race élue. Vous avez une moto et pour la main. Un sens de ténèbres. Il y a mon tour à peine d'avoir une route à l'église. À son admirable lumière. Pour mon côté à la poule et à qui toque. Donc, Missala et à Zambé. Donc, les vertus de Dieu. Il y a malam. Les bonnes œuvres. Il fait bon à soit se manifester par nous. Zambaza Kabolingo. Le Seigneur est amour. Alimbisaka. Le Seigneur pardonne. Abomba Kabakanda. Le Seigneur ne garde pas sa tête. Eh, Abisaka. Il est joli. Je ne vais pas vertu à Zambé. Bissanola Rakam Yanzambé. Bissonne Fondota Isaïe. C'est nous qui devions l'annoncer ou les manifester. Ça, c'est une grâce. Yawane Sangolu. Batoumabon Azambé Nanzela Nayonaka. Et les gens voient Dieu au travers de toi, c'est moi.
Ruth, à côté Bethléem, était entré dans la ville de Bethléem. Pâques et Salé. La Pâque était déjà célébrée. Hein? Parce que semaine à moisson, la semaine de moisson, et ça, après déjà Pâques et Salé, Pain sans levain Salé. La, les semaines de moisson suivent ou viennent après la fête de Pâques et de Pain sans levain. Là, ça, au temps du texte, c'est Lévitique 23, au moins la même fête à Moïse. Et là, tu verras ces fêtes-là dans Lévitique 23. Et Ruth à Zogota. Et Ruth entre dans le champ. Pâques et Salé. La Pâque était déjà immolée. Et Ruth 1, verset 22, vient de nous dire. Ruth 1, le verset 22, dit ceci. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi le vers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille. Bongo et Utaki Nakoyambo Kamoab, Naomi a pe na mwana. Nazana verset 22. Verset 22. Il y a Ruth, chapitre 1. Ruth chapitre 1. Ruth la Moabite. Luta Moasia Moab. Elles arrivèrent à Bethléem. Ma komaki na boka Bethléem. Au commencement de la moisson des orges. Naibandela yamobuki ya mumayagano. Donc, commencement moisson des orges. Le commencement de la moisson des orges. Tamouya Zokom. Lorsque elle arrive. Et ça, on a ensuite pour le bénéfice la présentation à Gerbe dans la tempérance. Il y a beaucoup de choses que nous parlerons. Il y a la prémisse. Présentation des prémices. Parce que Christ est comme les prémices. Oui, mais Christ dans un loco là-bas, nous maillons. Selon 1 Corinthiens 15, verset 21. Selon 1 Corinthiens 15, verset 21. Il y a des c'est lui le prémisse. N'a-t-il été semaine à moisson et bas. Enfin que les semaines de moisson puissent commencer. Donc, dans un en ces temps-là, Rita Coti. Rite entre. Dieu bénisse. Amen. Or aujourd'hui, rite véritable. Nous savons très bien par la grâce de Dieu l'Éthiopien. Nous savons très bien par la grâce de Dieu dans notre enseignement. Rite provient de Moab. Moab Azamouan à Lot. Et Moab c'est le fils de Lot. Zora Namala. Nous suivons attentivement. Boaz. Boaz. Aouti Nakata Abraham. Provient d'Abraham. Et si tu les fais retourner juste à leur origine, l'autre c'est comme Ruth. Et Boaz comme Abraham. Tu ne verras aucun verset où l'autre avait combattu en faveur d'Abraham. Quand tu chantes les jours que l'homme combatte, que la femme chante. Tu suis attentivement. Son côté, alors l'autre dénominationnel. Si tu prêches, si tu prêches que l'autre, Ça, c'est la difficulté qu'ont plusieurs gens. Les doctrines de messages de Branham. Il faut prier pour les frères du message qui sont dans les prisons. Il faut avoir les soucis et prier pour les captifs. Enfin, qu'il la sorte pour une vraie adoration. Très important. Ils animent tout à pour l'État. Parce que Bazo élevait un homme à la place. Pour Bazo, tout pour la démontre, l'incite à entamer à l'oreille. Vraiment, c'est une grande captivité. Et Dieu a Zanangourou pour l'aïe. Que le Seigneur soit grâce pour toi. Donc, c'est que. C'est-à-dire. Il faut que tu saches de ton côté. Ruth. Oyo lelo azotali sa biso. Qui aujourd'hui représente nous l'Église. Tosui, ngolu. Qui avons reçu la grâce. Toza nakatia moisson. Nous sommes dans la moisson. Et ça n'a pas différentes moissons. Et ça n'a pas beaucoup que c'est dans la Bible. Et ça n'a moisson. Il y a la moisson. Oyo yo eza lenge. Tozo kene kote. Qui est comme les gens puissent se répandir. Là, c'est la moisson qui est dans Matthieu chapitre 9. Il faut aller voir au verre l'écriture. Tu dois savoir veiller aux saintes écritures. C'est ce qui va t'aider à voir le Seigneur. Le Seigneur dit au verset 36. Le Seigneur dit au verset 36. Tina 37. Jusqu'au verset 37. Il y a Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. Voyant la foule.
Il fit émis de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante. Et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Le verset 37. Toujours en Matthieu 9. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Moisson oyo, cette moisson, azon banano lengea, ozoa bato, akota, na salomara. Il le disait en termes d'évangélisation, de prendre les gens qui entrent dans le royaume de la parole. Mais moisson est sur les carwana. Mais la moisson ne s'arrête pas seulement à cette expérience. Et dans la moisson, on soit dans le royaume de Jean 4. Il y a une autre moisson dont il nous parle dans Jean 4. Ah, mais ça, les carwana, ozoa bato, te, akota, na salomara. Là, ce n'est plus un problème d'évangélisation. Wana zame, amona ki. Là, le Seigneur avait vu déjà des champs blanchis. En Jean 4. Dans Jean chapitre 4. Où est la moisson? Là, c'est une autre moisson. Au Seigneur, la terre, on n'a pas l'eau, on n'a pas poussé. Il ne faut pas être juif de prendre les cris avec ses écrans. La très risquant. La très, très risquant. C'est très risquant. Jésus a parlé dans le verset 35. Jésus commence à partir du verset 35. Ne dites-vous pas, Jean 4, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la maison? Voici, je vous l'ai dit. Le levez les yeux. Réjouis ensemble. Réjouis ensemble. Moisson, il y a matière 9. Ça, ce n'est pas la moisson de Matthieu 9. Oh, le balobi, n'a pas eu un nom qui. C'est celui qui a semé. N'a pas eu un. Et celui qui viendra moissonner. Ah, pour se faire ensemble. Ils vont se réjouir ensemble. Alors, il dit, car en ceci, c'est qu'on dit est vrai. Oui, il dit, c'est ce où les amis à sol. Autre est celui qui sème. Monte mon sous-souvenir à l'homme. Et autre celui qui moissonne. Mais mon sous-souvenir à Bouki. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. D'autres là, ce sont des prophètes. Donc, d'autres là sont des prophètes de l'ancien Moisson. Ça, ce n'est pas la moisson de Matthieu 9. Ah. Et vous êtes entrés dans leur travail. Voilà. Oh, et la moisson, hein? Ça c'est la moisson. N'est-ce que Pierre, comme Pierre, dans acte 2, dans acte 2, à côté qu'il n'a rien à jouer. Il est entré dans les champs du prophète. Pour aider la tombe à comprendre. Pour aider les gens à comprendre là-bas. À côté qu'il n'a rien à David. Il est entré dans les champs de David. Amen. Paul, quelque part, à côté qu'il va Moïse. Paul, quelque part, est entré dans les champs de Moïse. Donc, prêcher. Côté. L'on est mis aux autres termes. Là, nous moissons. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Ruth est entré dans les champs depuis la présence des hommes. Qui est appelé jusqu'à la moisson de blé. L'orge a une valeur très faible, petite. Oui, les années qui parlaient terrestre. C'est comme le parler terrestre de Dieu. Les années parlaient céleste. Mais vous les moissons, vous les avez nommés la Nicolas. Mais lui va moissonner tous ces grains-là. Abandine la orge, la tire jusqu'au blé. Proverbe 2, verset 22. Vous prenez Ruth chapitre 2, le verset 22. Ruth chapitre 2e, le verset 22e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à qui la commande est sous Christ. Il y a une moisson Israël à Zangilelo. Et c'est la moisson qu'Israël a fait. C'est la moisson à Zangilelo. Ma poste est à Kobuka. L'explication de la loi. L'immola Yamoubeko. Azania. Il a manqué. Ruth 2. Ruth chapitre 2. Verset 23. Le verset 23. Naomi même n'a 22. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Naomi dit à Ruth. Et Naomi dit à Ruth. Sa belle fille. Moi, il est bon, ma fille. Il que tu sortes avec ses serviteurs, ses servants. Et qu'on te rencontre
dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour clamer jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des froments. Donc Ruth a ça là 7 semaines dans la Boaz. Ruth a fait 7 semaines dans le champ de Boaz. D'après Lévitique 23, verset 15. D'après Lévitique 23, verset 15. Semaine et moisson, ils ont 7 semaines. Les semaines de moisson sont au nombre de 7. À partir d'un orge, on commence avec les orges. Après, on va bouquer blé. Et après, on va moissonner les blés. Mais Rita a zaraki na champ, au bas d'un orge, Ruben, à Silice, dans les champs, il a fini. À Zuté, blé. Il a moissonné aussi les blés, et puis elle a fini. C'est qu'ils allaient poser l'écriture et son interprétation. C'est cela que nous prendre l'écriture et son explication. Aux autres, normalement, je suis attentif. Donc, la manière dont la loi était sa maquille. La manière dont la loi était donnée. Et ensuite, ils allaient expliquer. Et ensuite, que cela soit expliqué. Ritation. Ruth l'a pris. C'est ça, c'est qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'il faut comprendre. N'a insisté en cas. J'insiste encore. Israël a commettre iniquité. Israël a sali même à mon ami. Semaine de moisson à Zania. Et il est privé de semaine de moisson. Cette pain. Ma passe au savoir. Cette semaine, ni en soi. Toutes ces 7 semaines, les amis, bon arrêté. Sont pour Ruth la moitié. Bon abisso l'église. Pour nous, l'église de Dieu. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Le tabernacle fut dressé le premier jour. Il y a premier mois. Du premier mois. Il y a seconde année. De la deuxième année. Maintenant, remarquez quand vous avez démonté le tabernacle. Maintenant, remarquez lorsqu'on démonte le tabernacle. Dans Nombre chapitre 10. Dans Nombre chapitre 10. Parce que quand vous avez démonté le tabernacle. Parce que en démontant le tabernacle. Tabernacle n'y sont des avanats. Tous les tabernacles étaient. À part. On se souvient pas. À part les choses de l'intérieur. Mais ma maman a la char. On les porte sur les chars. Oui, c'est ça l'écriture. Oui, c'est ça l'écriture. Je vous dis Nombre toujours, chapitre 7. Si tu prends Nombre chapitre 7. Verset 7. Le verset 7. Il donna des chars. La personne qui m'a parlé va bien. Et quatre bœufs. Au fils de Gershon. Selon leurs fonctions. On a mis ça. Ils avaient les chars. Sauf qu'il y a un nombre, chapitre 4. Si tu te rends dans Nombre, chapitre 4. Gershon, d'abord, même après, c'était tabernacle. C'est Gershon qui portait presque tout. À la bonne, tiens, en haut, dans ma chair. Il le mettait sur le char. Vraiment, il va démonter. Donc, si on démonte les tabernacles, ah, tiens encore dans ma chair. Et on le met sur les chars. Non, Dieu est très merveilleux. Ça vient à sa vie qui tombe. Il a accompli toutes choses. Donc, faut que tu ne pas l'exemple. Donc, tu dois savoir le confesser. À Kesséni Nabatou. Il est différent des hommes. Verset 24, il y a Nombre 4. Le verset 24. Voici les fonctions des familles des Kedjonites. Pitala, Misala, Yabana, Nibote, Akershon. Oh, le tonton d'Abamon, en Nombre 7. Les Kedjonites, on vient de voir en Nombre 7. Oh, fais ça qui va voir ma chambre. On avait créé les chars. Les services qu'ils devront faire et ceux qu'ils devront porter. Moussa, le Seigneur, ma sœur, a paix, il nous a enseigné ma mémoire. Ils porteront les tapis du tabernacle. La gomema, car il a mal assez, il a mon corps. Et la tente d'assignation. Sa couverture et la couverture des bonnes d'offrandes qui se met par-dessus les rideaux qui à l'entrée de la tente d'assignation. Et la moisa lui continue à rôle à Gershon, le rôle de fils de Gershon, c'est là qui portait les tabernacles. C'est là qui commet ma mongongo. Alors pourtant, on a une pégataire, il ne va pas les porter sur le monde. Dans la poire. Ce sont des choses qui passent. Il va le mettre sur les chars. Et le psaume 105. C'est pourquoi en disant psaume 105. L'écriture de l'Évangile, même dans 104. Psaume 104. Il dit. Verset 3. Le verset 3. Il forme avec les eaux les fêtes des années. Il prend les billets pour son chat. À soi, quand maman pâte, on a un calonnaï. Ça va s'arrêter ma porte grâce. Il
Le Seigneur avait fait vraiment grâce à Paul. À un moment donné, Paul, dans un roman, quand tu vois Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, nous n'aimerons pas tous. Les soignants sont de beaucoup fatins. Le Seigneur fera que nos hommes soient ressuscités et nous pouvons faire la rédemption. Le Seigneur va que ça nous ici. Et ensuite, nous allons mettre la sierre des nuées. Donc ce n'est pas les nuées que tu vois là. Nous allons bien. Faisons bien comprendre. Les tabernacles, lorsqu'il est démonté, et qu'on le met sur le char. Parce que. Parce que la terre que tu as là-bas, et ça va dans la montagne, c'est sur la montagne. Donc en provenance d'Égypte, en provenance de l'Égypte, c'est là que tu descends. Tu te mens. Mais ce que vous êtes en Égypte, aujourd'hui, tu es dans la Cana. Mais tu t'es en Cana. Le Seigneur est merveilleux dans sa parole. Or, la tête du peuple est allée à Juda. Et à la fin c'était Dan. La capitale des amis 10 fils. Et au milieu c'était les 10 fils de Jacob. C'est pas d'amis 12. C'est quoi l'ordre des 12? Oui. Dan et Bosom, Dan et Nastema. Jida en avant les Dan. 10 la capitale des voyages qu'on appelle chez moi. Les voyages étaient comme ça. Maintenant, Dan ou colonne de feu bien Dieu, ils ont bâti Nastema. Et lorsque la colonne retourne jusqu'en arrière, requiert les 10 dégâts. Ils ont sombre dans la dégâts zombie. Pour s'allier. Pour que je ça sienne. T'es l'enseignement. Mais ça n'est pas l'enseignement. On repartait à côté de la famille militaire. Ne prends pas le temps de beaucoup te promener. C'est vrai là pour visiter ma frère. Il faut te réjouir de visiter mes frères, les prophètes de la vie. D'accord. C'est pas beau. Lorsque tu es ici, tu vas connaître beaucoup de choses. Parce que ce qui ombre le requiert de 10. Mais si l'ombre est écrit. Il faut mettre la position. C'est-à-dire l'ombre. Parce que Dan, c'est un serpent. Mais t'es dans sa mignon, Dan. Quand Moïse éleva le serpent de l'air dans le désert. On l'a consenti, on l'a encore monté pour la missionner. Et si Christ a sa vie élevée. Et même Christ aussi est élevé. Cette élévation, il faut que le Seigneur a dans ma position qui était à roi, à comme un serviteur. Et cette position, ça fait le Seigneur là qui t'a pour moi. Comme ça, les milliers de 10. Le Seigneur là, sombre à la manière. Alors, tu dis dans Juda. Il prend le Juda. Donc les nuées seront comme nos voitures en ces temps-là. Oui, comme les bâtisseaux. Qui viendront nous répéter que nous guérons. N'oublie pas que nous serons d'abord cire des nuées, les colons à ma patte. Dans les airs. N'a mis pépé. Amen. Vous avez la malade? Amen. Donc, pour vous avoir la grâce, tout à l'heure, un texte. Lisons d'abord ce texte. Vos soucis, ça va d'abord respecter. Oui, mais si vous respectez le texte, parce que si tu ne respectes pas le texte, tu vas mal prêcher les écritures. Ça va être très patient. Quand un texte bien lit les textes distinctement. Les gens vont attirer que nous m'envoyons. Ce n'est pas du Dieu que tu t'envoies un texte bien. Lis d'abord les textes distinctement. Pour ce côté, il m'a bien mis ma caméra. Parce que si tu prêches moi, dis autre chose. Il y a mon côté d'ici Salina. C'est toi-même qui détruis ton sang. C'est pourquoi j'ai toujours peur aussi. Je ne suis pas pressé avec les autres. Parce que si tu respectes les attitudes, c'est ça le salut. Votre travail va être très très tranquille. C'est que ton salut, ton salut, la colère, la paix, ton bac, la paix, la paix, la paix, la paix. Il ne faut pas jouer. Les actes vont monter sur le lit. De commenter à Nicolas Paman. La réunion qui questionne dans un même à tabernacle de Nicolas et Chat. Dans l'ombre, c'est un chat qui porte les tabernacles sur les chats. Pour qu'aucun des niveaux soit. Pour aller de l'avant. Il y a un des anciens chapitre 4. C'est ça, 1 Thessaloniciens. Ma terre, mais on se parle à mon acquérant. Toutes ces enseignements.
Paul les avait vus. Alors, il dit, verset 17. Le verset 17. Alors dit, la bande à 16, j'ai demandé Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur lui-même oui, a un signal donné. Na, et le mot à couper ça. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Voilà l'archange et au son de la trompette de la Dieu. La voix de l'archange, c'est le même son de la trompette de Dieu. Tu vas voir toutes ces choses dans la sacrificature. Et ça va qui dans le sacrificateur, ça va qui comme si derrière, ma frère, il y avait un sacrificateur qui était élevé que ses frères. Dans Nombre chapitre 10. Dans Nombre chapitre 10. C'était eux qui avaient pour fonction aussi de sonner la trompette. Ah, c'est ça la parole ici. D'abord, tu fais la honte. D'abord, cela doit se retrouver. Lorsqu'ils vont sonner, c'est ça le départ du peuple. Là aussi, on démontra. À mon avis, c'est un nombre 10. Il avait vu Nombre chapitre 10. Nazolo Bazar a contredit Nombre 10. Dieu ne contredira pas Nombre 10. Et à mon avis, c'est ce qu'il dit ici. Alors, dit tous, alors dit, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées. Bébé, son nom, son toko, n'étoile pas, on n'y aura pas ma pata. C'est que tu dois savoir. Les liens ne connaissent pas. Ce sont les liens qui vont nous porter. Comme la char est même. Comme les chars avaient porté le talent. Même les chars et connaissent pas. C'est que même chars nous porteront aussi. C'est pourquoi tu vas voir que ta mère, le tabernacle, Nombre 10, la Nombre chapitre 10, avant à la démonter pour la que les premiers voyages n'aient. Le 20e jour, il y a deuxième mois. Au 20e jour du deuxième mois. Sauf autant qu'il y a Tiamaki dans Exode 14, 40, verset 16, 17. En lisant les tabernacles fut dressé dans Exode 40, verset 17. Là, à Tiamaki, le premier jour, il y a premier mois, il y a seconde année. Là, les tabernacles fut dressé le premier jour du premier mois de la deuxième année. Maintenant, dans Nombre 10. Maintenant, dans Nombre 10. Dans le verset 11, au verset 11, va démonter le tabernacle. Bah, le mon homme aussi que Zalaki. Va démonter le tabernacle. Lorsqu'on a démonté le tabernacle, et Zalaki, 20e jour, c'était le 20e jour du second mois. Il y a 100 ans, de la seconde année. On voulait aller. C'est là que le tabernacle est fendu pendant combien de temps? Donc le tabernacle a demeuré pendant combien de temps? Moi, et Zalagana, 30 jours dans la Bible. Le mois dans la Bible a 30 jours. Bâtir au premier jour. Donc, on a dressé le tabernacle le premier jour. La première. Au premier mois. Maintenant, et comme le 20e jour. Maintenant, le 20e jour est arrivé. Le deuxième mois. Du deuxième mois. Tabernacle, char à Mémian. Donc, le tabernacle fut porté par les chars. Et ça, il y a combien de temps? 50. 50 jours sur l'année. Mais 50. 50 jours et 50e pour nous démonter. Mais le 50e jour là, c'était le jour où on démontait le tabernacle. Donc, il fendit vraiment pour 49 jours. Donc, le tabernacle a demeuré 49 jours sur la terre. 50e, mon colo, il y a tout comme il t'a dit. Et ils ont démonté matin à chaque. Donc, on démonte le tabernacle pour monter sur le chat. Oh, tabernacle, c'est le corps du Seigneur. Oh, mon pauvre, ça dit tout de encore. Oh, le corps du Seigneur, c'est son église. Donc, pour l'église, il y en a hier, mon pauvre. Sera sur la terre 49 jours probablement. 40e jour dans la prophétie de Christ. Mais 50e jour. Mais le 50e jour. Azar démonté matin à chaque fois. Sur le même matin à la calme. Les 49 fois dans des amis. Ces 49 là. Témoignage vous souffre il y a 7 semaines à la moisson. C'est notre témoignage de 7 semaines de moisson. Et Dieu bénisse. Ça va pas pour la vie. Donc, et là, on faut aussi mes amis. La chose que nous devons saisir. Exactement. Chaque église. L'église a mon corps. Et ça, on a une semaine. Donc, ça, on a 7 jours. Dans chaque église, a 7 jours. Et ça, on a 7 jours. 7 jours. Chaque église. Chaque église. A 7 jours. 7. 7. 7. Bon ami. Pourquoi? Ouais, la chouque à l'église, on va à celui qui veut. Afin que l'église n'a pas.
perfection. Donc il y aura ceux-là qui atteignent à chaque église. Je ne te laisserai pas orphelin. Et ça n'attend tout d'une sympathique à l'église. Il n'a pas le temps où Dieu a abandonné son église. Non. Quel que soit le problème maintenant. Et ça va m'attendre mon amolago. Moi, la mienne soit pas un acteur et un amazan. Chaque fils de Jacob est sur la poitrine. À la pierre précieuse. À sa ligne, pas dans mon touya. Attends, on résout le problème là. Même si tu résous son problème. Il n'y a pas des femmes à bomba et à tolo. Sache que le Seigneur va préserver sur sa poitrine. Doucement, tu m'as gardé, je l'ai regardé aussi en ton nom. La bougie, si à ta maman, je n'ai permis aucun de son sauf le fils de la perdition. Sauf le fils de moi. Mais si tu m'as dit, la bougie, si à ta maman, il avait dit, je n'ai permis aucun de son dont tu m'as dit. Voilà, la bougie, la perdition, va t'a mis été dans le compte là-bas. Le fils de la perdition n'a pas voté en compte des enfants. Parce que la bougie, si à ta maman, parce que Jésus n'a permis aucun de son. Il y a bon Jean, le bâti, c'est pourquoi Jean fait dit. Ce qui partit, position à parole. Si les gens parlent, position de la parole. Les amis, l'église les a divisés. Ce n'est pas que l'église est divisée. L'église n'est qu'une seule et unie. Mais ils sont sortis de nous.
dignité. Donc, pour ma salade, il y a des sauter. Et ça, pour moi, c'est comme ça que les apôtres ont péché. Dans l'enseignement. Oh, il y a dit qu'il y a enseignement, c'est lui qui abandonne l'enseignement. Il y a une division. C'est le petit tout cas. T'es pas des noms. Ça va être pas des colombes. C'est ça l'écriture de Dieu. C'est ça l'écriture de Dieu. Oh, Zali,
le Seigneur de régner dans ta vie. Régner dans tous tes problèmes. Et tu puisses te ramener sans faire que son nom s'élève. Que ses vertus, que ses bonnes œuvres puissent se manifester fortement dans ta vie. La crainte de son nom. La fuite de la vie. Vivre la pureté. Les qualités de Dieu. We know.